Je m'appelle Anne-Claire, je suis créatrice de vêtements upcyclés. Je brode sur des vêtements de seconde main. Stéphanie, sophrologue depuis 3 ans. Laurence, je suis accompagnante à la parentalité. Accompagne les mamans, enfin principalement les mamans en individuel ou aussi en collectif. Je suis ostéo et praticienne bien-être. Moi c'est Anne-Laure, je suis maman solo de 2 enfants. Je suis la fondatrice du Club Omial, je récupère les fruits et légumes déclassés ou en surproduction et je les transforme en pickles, tartinades et ketchup. Travailler à la maison. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est trop compliqué de travailler à la maison. La conciliation vie pro vie perso, c'est super compliqué parce que comme on travaille à la maison, on est là pour faire les lessives, la machin. J'allais dire gestion du temps, enfin, ça rejoint un petit peu, mais c'est quand est-ce que je déconnecte le cerveau et à quel moment je pense à mon activité, à comment la faire évoluer, me faire connaître, tous les aspects en fait, qu'on doit prendre en compte en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que j'ai accepté de faire cet accompagnement avec Germinal pour m'aider à voir toute la partie entrepreneuriale et savoir un petit peu tout ce qu'il y a à gérer. Moi, je sais qu'après, c'est plus... Quand tu es dans une entreprise, tu travailles pour quelqu'un, tu sais que le matin tu vas au travail et que même si tu vas aller voir les magasins, c'est pour le travail et tout le monde comprend le travail, quoi, tout simplement. Mais quand tu fais la même chose, sauf que c'est ton entreprise, c'est des moments où la personne avec qui tu vis, elle a l'impression que tu ne fous rien. En fait. Comme tu es chez toi aussi, c'est à la fois facile, c'est un confort. Et à la fois, ce qui est difficile, c'est que quand j'ai du boulot un peu administratif à faire, tout ce qui concerne la vie de l'entreprise, je ne parle pas vraiment de recevoir des clients et autres, si je me dis, de toute façon, soit je suis tout seul, je peux faire ça à 23 heures. Et en fait, du coup, je ne mets pas de limite dans le temps et je ne m'organise pas. En fait, c'est un écueil dans lequel tu tombes parce que tu déconnectes jamais. Je pense que c'est déjà se discipliner soi et dire, ma boîte, c'est tant de c'est temps. C'est de telle heure à telle heure. Et pas déborder. Et tant pis, c'est demain. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec Nathalie qui est aussi auto-entrepreneuse et qui disait exactement ça, que finalement Germinal lui avait permis ça, de dire il faut avoir une discipline, c'est ce que tu disais, une discipline sur les horaires, une discipline sur ça, et mettre du cadre pour nous aider, parce que sinon effectivement on part dans tous les sens. Après je sais pas pour vous toutes, mais moi c'est une reconversion, en prenant de l'âge, en fait c'est on a l'impression que parce qu'on on pratique une reconversion professionnelle, parce qu'on se relance dans un nouveau projet, on a l'impression parfois de ne pas être pris au sérieux dans ses motivations de reconversion et être obligé du coup de sur-argumenter le pourquoi on a fait ce choix. Quand tu quittes un cadre stable, une situation financière qui permet de faire ce que tu veux, et que tu passes à un truc beaucoup plus aléatoire, où tu gagnes vraiment beaucoup moins, je pense que oui, les gens ils s'interrogent. C'est vrai que je trouve qu'on est toutes, en tant que femmes, souvent obligées de cumuler pas mal de trucs. C'est-à-dire que, comme tu disais, faire appel à des aides, du RSA, machin. Et je trouve que les satisfactions énormes à se dire mon entreprise me permet d'être autonome, de gérer ma vie, d'être indépendante, etc. Si tu n'es pas indépendante, tu as du mal à te sentir légitime, tu ne te sens pas légitime. Tu as du mal à prendre ta posture de chef d'entreprise parce que tu sais intimement qu'on ne vit pas. Mais nous, on va peut-être aussi pas prendre la posture de chef d'entreprise tout de suite parce que on a nos enfants gérés, on a la maison, on a le machin. Et on se dit, bon an, mal an. On se démerde à créer notre boîte. Enfin, c'est du compromis qu'on cherche, en fait. Alors que je pense qu'un mec va pas forcément faire ces compromis-là en disant moi je lance ma boîte, donc faut que je m'investisse à 200%, tu comprends? Non. C'est rare une manette qui va créer son auto-entreprise et dire à son mec, c'est clair. Tu t'occupes des gamins, moi je crée ma boîte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte si on est maman, si on ne l'est pas encore, si on est en couple ou pas. Du coup, la gestion de notre activité, elle est différente. Elle n'est pas la priorité, en fait, finalement. On met peut-être, en tant que femme, on met peut-être l'accent sur autre chose avant de mettre notre activité en priorité. Un homme va mettre son activité en priorité, c'est ce que tu disais, finalement, le planning, il est plein. Ouais. Une femme, elle va essayer de faire des conciliations, en fait. Et du coup, peut-être que c'est un peu plus compliqué. De bien s'entourer. Ouais.
Vraiment, ouais. C'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment le truc le plus important, c'est de bien s'entourer et de trouver les ressources qui lui correspondent, parce qu'on est toutes différentes aussi. Ça peut être aussi bien des personnes que des réseaux comme Germinal, que Touralomane, que des associations. Que... C'est se faire bien accompagner, mais c'est pas forcément tout le temps. Mais déjà, si on prend son projet et qu'on arrive à bien le formaliser, voilà. Mais je pense qu'il faut être. Et demander de l'aide, en fait, finalement. Ouais. Ouais, pas forcément demander de l'aide. Oser demander. Voilà. Oser. C'est oser demander parce que souvent, tu t'enfermes dans un truc. Alors, t'es motivé. Puis, en fait, quand t'as des baisses de régime, bah, t'es tout seul aussi en tant que chef d'entreprise. Et je trouve que les groupes comme Germinal, justement. Bah, c'est intéressant, ça. Ben, bah, quand tu vis la même chose. On vit la même chose. Mais aussi, Germinal, de revoir du monde, quoi. Aussi, oui. Aussi, c'est de sortir. Ouais, ça te permet aussi de. D'avoir les cafés rencontres, tout ça. Ouais. C'est vachement important, les cafés rencontres. De sortir aussi, de sortir ouais. Aussi finalement. Et t'entourer d'autres personnes qui entreprennent, c'est vraiment important. Aussi. Et de, du coup, partager tes doutes, tes questionnements, et tu te rends compte que l'autre a les mêmes questions et ensemble. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est... Mais tout dans le même bateau. Hein. Mmh.